Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour un live reaction sur un fanmade de Dragon Ball qui m'a conseillé vivement le motard Girondin qui a une chaîne sur YouTube. Si jamais vous aimez la moto, allez vous abonner. Et il m'a dit en gros que ça vendait du rêve, c'était limite meilleur qu'un épisode officiel de Dragon Ball Super. Donc je me suis dit bah écoute, s'il a raison on va voir ça ensemble et je vais m'enregistrer au cas où ce serait vraiment pertinent. Et dans ces cas là eh ben, je mettrai la vidéo sur internet. Donc si vous voyez faire le con aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé que c'était bel et bien pertinent. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Broly part 2, je suis quasiment convaincu d'avoir vu le part 1 à un moment donné, mais il y a tellement de fanmade très réussis en ce moment que j'ai un peu du mal à faire le distinguo entre tous. Hein. D'ailleurs, ils sont tous quasiment très 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 bien réussis. Ah, ah c'est comme ça que ça se passe, il dit j'ai trouvé un Saiyan qui pourrait t'intéresser. Pourquoi pas. Ah, excellent le coup des pourcentages. Pas content Broly. Yare Broly. Oh la gueule de Vegeta, trop classe. Ouf. Joli. Ouf, et Goku il peut pas tout parer. Hein. Et voilà, le SSJ God pour les deux. Très réussi. Hein. Le Blue d'un coup? Ah non. Ah, excellent la baffe qu'il met, excellent. Ouf, pas content Broly. Bah! Qu'est-ce que c'est classe, quoi. Ah, Blue Kaioken. Blue Evolution. Ouais, le Blue Evolution. Ah, c'est classe, quand même. Et boum, une petite augmentation de puissance encore pour Broly, hein, ça suffisait pas. Ça va piquer! Oh la tête quoi. Oh le psychopathe. Ouf. Il est épique ce combat hein. Oh là là. Broly pépère hein. Salut, je pars tranquillou les coups. C'est bien fait, c'est bien réalisé, franchement, là. Oh, joli, l'attaque de ki et tout. La Terre n'existe plus dans 2 minutes, et c'est pas à cause de Broly, là. Bouh. Oh là 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 là. Oh, la bave derrière. Le Vegeta, quoi, putain. Comme j'espérais de Vegeta. Et ouais. Vegeta! Bum! Ah, connu ça, c'est arrêt. Oh! Pourquoi je pense qu'il va pas réussir? Ah, si, il a réussi. Alors, j'y croyais pas. Un petit Kamehameha des familles. Oh, c'est classe. C'est classe, franchement. T'as quand même des gens qui sont extrêmement talentueux pour faire des trucs comme ça. C'est ouf. Hein. Ça pique. Ça pique. Ouais, tu l'as dans le cul, là. Hein. Il va péter le collier. Voilà. La même scène que dans le trailer, excellent. Il manque juste l'effet vert, là. Oh la tête qu'ils font là, tu sens qu'ils sont pas en confiance hein. Bouh, super classe sa transformation quoi. Ah oh, excellent avec la vision de la Terre et tout. Ouais, tu te rends compte que t'as fait peut-être une bêtise mon gars hein. Ce gars c'est le diable. La tête de Vegeta, quoi, franchement.
C'est bizarre l'effet qu'il a fait avec les sortes de petits... On dirait des flocons de neige presque. Pas des plus qui volent. Ouf. Ah, je pense que là, ça va servir à rien, les gars. Bouh. Oh là. Vegeta, ce qu'il prend dans la gueule. Excellent. Bon, là, on voit que c'est les deux mêmes rochers qui se répètent en boucle, mais c'est quand même super bien fait. Hein. Puis, même en professionnel, ils font ça. Hein. Bouh. Ah bah tiens, retour de bâton pour Goku. Oh. C'est ouf. Oh, le mec il atterrit la terre tremble quoi. Ouais, tu devrais te barrer mon petit Freezer si tu veux pas qu'après il t'embête une quoi. Ok, tranquillou hein. Ça y est, je ne touche plus Broly. Ah, Goku est dans la merde. Voilà, et je te calme. Ah, du sang, c'est cool, ça. Pourquoi tu veux te prendre... Ah non, j'ai cru qu'il allait se prendre un Kikwa dans la gueule, là. Ah. Oh là, le... Oh, le punching ball vivant, quoi. Bon, le petit finish. Ah mais on dirait que Broly, il fait 8 fois la taille de Vegeta, là. Oh là là là, ça calme. Là, je crois que Vegeta, là, il est dans le caca. Hein. Hop là, et il apprend à faire l'hélicoptère. Yo! Ah, qu'est-ce qui va se passer pour les empêcher de mourir? Attention. Ouais, ils sont dans la merde. Ah, stoppé net, ok. Classe, mais genre il a ce pouvoir là, Goku. Et hop là, c'est parti pour l'Ultra Instinct. Maîtrisez, s'il vous plaît. Attention, la confrontation arrive. Un petit coup de poing chacun de leur côté. Enfin, chacun va se manger la baigne de l'autre. Ah non. Ah non, c'est comme dans le trailer, autant pour moi. C'est super bien fait, hein. Franchement. Chapeau l'artiste, quoi. Chapeau l'artiste. Ah, il esquive. D'accord, c'est comme ça qu'il représente l'esquive ici, ok. C'est un peu chelou. Ah, c'est bien fait l'effet, franchement. Boum. Ah, tu souffres, Broly, là, hein. T'es pas habitué à ça, mon gars, hein. Bam. Oh, les yeux qui sortent et tout. Ah mais il se fait complètement mettre à l'amende quoi. Bizarre la pose de Goku là qui sautille sur place, c'est pas super bien fait par contre là. Ah, je pense que là, il va envoyer tout ce qu'il a. Bouah, stylé, là. La différence de taille est quand même flagrante. Ouf. Ah, plus de musique. Oh là là.
Pouh, bien joué le petit Broly. Bien joué Broly, t'as tout compris mon gars. Et hop là, plus de cage thoracique pour Goku. Voilà, attention. Le retour de Vegeta. Ah oui. Ils vont le faire, ils vont le faire. Raté. T'as le pauvre Broly, il a jamais été emmerdé jusqu'à présent et là il affronte que des mecs plus forts que lui quoi. Ah, c'est stylé comment il esquive Vegeta. Oh, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Et il va l'avoir son ultra instinct le petit Vegeta, je le sens. Oh, c'est classe comme ça. Hein. Bon, ça fait un peu bizarre. J'espère que c'est juste Nora qui va disparaître quand il aura fini sa transformation. Ah, le Broly, par contre, il est en PLS là. Hein. Boum. Oh, excellent. Ah, ça fait des cubes. Ça fait des glaçons. C'est pas des petits crochets qui partent. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Voilà, voilà l'ultra instinct de Vegeta. Massacre. Alors. Et ouais, il n'y a pas que Goku qui s'est surpassé ses limites. Et c'est cool de voir que les fanmade au moins s'en aperçoivent. À défaut que ce soit la Toei et Toriyama. Alors j'avoue que le mec avait déjà du mal face à un, alors les deux en même temps, je pense que là le pauvre Broly il est mort. Hein. Oh, la tête encore une fois. Il prend tellement cher là. Ah, il fait pas semblant Vegeta. Hein. Attends, Freezer vient de sauver Broly? Haha. Ah, excellent, c'est pas mal comme, suggestion de fin pour l'animé. C'est pas celle que j'envisage, mais ouais, elle est pas mal. Ah, je crois que Vegeta il s'en fout que l'autre il a dit d'arrêter. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Petit moment de souvenir innocent quand il a laissé Vegeta s'enfuir. Je crois qu'il s'en fout, par contre. Vas-y, tu t'en fous, Vegeta, balance tout, mon pote. Final Atomic Shine. On peut dire adieu à Broly et Freezer d'un coup là. Boum. À la tête de Goku, excellent. Ah, Paragus, c'est vrai qu'il était encore là dans ce fanmade. Oh, la tête de Vegeta, tellement réussi là-dessus! Franchement, je viens de voir un fanmade sur Dragon Ball qui est énorme. Puis en plus, il a duré 17 minutes, enfin peut-être. Avec les coupures du début et de la fin, il y a eu 12 ou 13 minutes, mais. Waouh! Waouh! Franchement, c'était ouf ce passage-là. Là. Vraiment, les mecs, c'est. Ils sont extrêmement doués. On se rend compte que. En plus, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Hein. Bon, l'ultra instinct de Vegeta. Ça fait quand même un sacré paquet de temps que je trouve que Vegeta il est un peu à la ramasse. Et même en dehors de ça, la plupart du temps c'est pas lui qui brille, c'est toujours Goku. Là ça fait plaisir de voir que c'est lui qui brille à la fin. Hein. Il a sauvé Goku. Après c'est lui qui élimine, si je puis dire, Broly et Freezer. Non, tout était très bien. Après, faut se rappeler que c'est un truc amateur, mais pour un truc amateur c'est juste la folie. Mais j'aimerais bien avoir le quart du dixième du talent des gens qui ont travaillé sur cette œuvre. Magnifique, magnifique, hein. Ça prouve que les fanmade, eh ben, ils ont leur place dans le panthéon Dragon Ball, et on peut avoir des trucs vraiment super, aussi bien, voire même parfois mieux, que les vrais épisodes officiels, et là j'ai envie de dire à l'équipe qui s'est chargée de ça, chapeau l'artiste, vraiment, bravo les gars.
En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Hein. Je mettrai dans la description de la vidéo l'URL de cette fanmade, hein, parce que il vaut le détour. Franchement, allez le voir. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !